Et bonjour à tous, c'est Théo pour le théodu.com et aujourd'hui je viens vous présenter Vimeo Plus. If I live to be 100 and never see the seven wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops you know. Donc tout d'abord, vous allez sur vimeo.com, voilà, vous créez un compte si ce n'est pas fait. Une fois que vous êtes logué, si vous êtes en version standard, vous avez l'option, le choix, pardon, de migrer vers la version payante qui est Vimeo Plus et qui est dans les 50 euros par an. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous dire l'avantage qu'il y a par rapport à Vimeo standard d'être en Vimeo Plus. Donc le premier point, c'est que vous avez un espace disque de 5 gigas par semaine, comparé à 500 mégas sur la version standard. De plus, vous avez un encodage de meilleure qualité qui gère amplement la 1080p, alors que l'encodage standard, lorsque vous êtes sur Vimeo standard, est de très mauvaise qualité et ne gère pas la 1080p. Ce que je viens de dire là, c'est que hier ça n'était pas le cas, donc ça c'est tout nouveau. Vous pouvez envoyer des vidéos ne dépassant pas 5 gigas, bien sûr. Mais une seule vidéo peut faire 5 gigas, alors qu'avant, chaque vidéo ne devait pas dépasser 1 giga et quelques, donc ce qui est pas mal. L'inconvénient de Vimeo, si ce n'est un inconvénient, c'est que tout est en anglais. Donc si vous êtes sur Google Chrome, vous avez l'option de convertir l'ensemble du site en français, enfin de traduire le site en français, ce qui est pas mal, alors que moi je suis sur Safari, je n'ai pas cette option. Alors d'être en Vimeo Plus, qu'est-ce que ça nous apporte de plus? Alors je vais aller dans My Video. Premier point, pardon, vous pouvez personnaliser votre player comme vous le souhaitez. D'ailleurs, Dailymotion propose aussi cette option, mais gratuitement cette fois-ci. Donc les options qui sont grisées lorsque vous n'êtes pas en Vimeo Plus, c'est celle-là, puisque vous voyez que à côté il y a marqué plus. Donc premier point, privacy. Donc vous pouvez configurer comme tous les autres players si votre vidéo va être publique, limitée à certaines personnes, aux contacts ou cachée sur vimeo.com. Donc d'un côté, je ne vois pas pourquoi certaines personnes voudraient cacher les vidéos sur vimeo.com, mais voilà. Ça, c'est que mon point de vue. Après, un bundling. Vous pouvez personnaliser ici la couleur de vos vidéos, comme Dailymotion. Après, vous pouvez personnaliser votre player, comme je vous ai dit. Après, vous avez, comme tous les autres players aussi, le choix de choisir l'image par défaut qui va représenter votre vidéo. Ensuite, dans Video File, ce qui n'est pas disponible lorsque vous êtes en vidéo en Vimeo standard, c'est que vous pouvez transformer toutes vos vidéos en version mobile, donc avec l'iFrame, pour que sur l'iPod, l'iPhone ou l'iPad ça puisse se lire. Voilà. Ensuite, vous avez l'option d'encoder en 1080p, ce que je n'ai pas coché tout simplement parce que l'encodage standard de Vimeo Plus, je ne vois pas la différence qu'il y a entre display this video in 1080p ou lorsque je ne le coche pas. En plus, il marque que si j'encode en 1080p, les bas débits vont être assez limités, puisque c'est normal, il va avoir quelques petites coupures. Donc pour le confort de mes lecteurs, je n'ai pas coché cette option, puisque je ne vois pas franchement la différence de qualité qu'il y a lorsqu'on coche ou pas cette case. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je tiens à vous dire? Oui, le gros avantage qu'il y a sur Vimeo comparé aux autres players. D'ailleurs, ce qui est dommage sur les autres players, c'est qu'ils ne proposent pas cette option, qui est un petit logiciel qui est compatible Mac et PC pour vous permettre d'uploader vos vidéos à partir de votre bureau, de votre ordinateur. Ce qui est un plus sur Vimeo Plus et Vimeo Standard d'ailleurs. D'ailleurs, je viens de lire que là, il est compatible aussi sur Windows et Linux, donc les trois plateformes logicielles les plus connues. Donc Vimeo Desktop Uploader en version bêta vous permet d'envoyer, comme je vous ai dit tout à l'heure, vos vidéos à partir de votre bureau.
Et le gros avantage qu'il y a comparé aux autres players, c'est que d'ailleurs quand vous passez par les navigateurs, ben, il arrive parfois que sur YouTube ou des Dailymotion il y ait quelques petits bugs, donc lorsque ça plante vous devez tout recommencer, alors qu'avec Vimeo Desktop Uploader vous pouvez mettre sur pause votre vidéo et reprendre celle-ci où ça s'est arrêté. Donc voilà, vous gagnez du temps. En plus, l'encodage est prioritaire, donc vous avez un encodage beaucoup plus rapide que sur les autres players. Voilà. Dernier point avant de vous quitter, le seul regret qu'il y a d'être sur Vimeo, comparé aux autres players, c'est qu'on peut regretter qu'il n'y ait pas de version française de Vimeo, enfin de traduction française sur Vimeo, puisque ben, tout est en anglais comme je vous ai dit précédemment. Et on peut regretter aussi qu'il n'y ait que 5 gigas par semaine. Ce qui m'oblige d'ailleurs à rester sur les autres players, puisque lorsque je n'aurai plus d'espace disque, j'enverrai sur YouTube. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez constater d'ailleurs que je filme avec ScreenFlow, pour ceux qui gueulaient tout à l'heure. Voilà, donc vous allez voir donc que la qualité est inférieure à celle de l'appareil photo. Mais bon, puisque beaucoup me disent que le rendu et merdique, ben vous avez donc votre rendu que vous voyez actuellement. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée.